Dans le moment que le pays d'Haïti a connu une crise humanitaire sans précédent, le gouvernement a pensé à organiser l'élection. Dans un tweet qui fait hier 12 avril 2023, Maître André Michel a parlé de conseil électoral provisoire qui pourra être tenu pour mettre sous pied la participation diaspora dans l'élection. Mais moi, Maître André Michel coûte en pile parce que je me rappelle, dans l'année qui t'est passée, Maître André Michel t'est campé en face président Jovenel Moïse comme quoi. Et mais pas de personne qui tape jambé cadavre la saline a fait pour aller cohabiter ensemble avec gouvernement Jovenel Moïse là. Mais une question m'a posé, c'est qui gouvernement exactement qui pône Ariel Henry comme premier ministre? C'est qui pouvoir exactement qui t'est nommé Ariel Henry ça que André Michel remet passer la ville dans moment comme premier ministre? Non, un petit temps qui pas trop long, mesdames et messieurs, nous prajouen plus de détails. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons le président Luis Abinadel. J'en sais annoncé déjà que Chita parlé ensemble avec secrétaire d'État adjoint pays états-unien, Wendy Sherman, côté encore une fois, Luis Abinadel plaidé en faveur de l'intervention de la communauté internationale. Nous gagnons Luis Abinadel qui continue tout, mesdames et messieurs, ensemble avec déploiement soldats lyo sous frontière selon Ejercicio LD. Eh bien, Luis Abinadel, à travers force l'armée lyo, pral voyer environ 120 militaires supplémentaires ak hélicoptères sous frontière qui relie pays d'Haïti ensemble avec République Dominicaine. C'est tout. Information avec divers lots qui prennent fait essentiel actualité nous jeudi. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue ou sur Info 5, chaîne information avec Fabiola Jean-Charles. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à Kruik Information si là. Bien avant nous aller plus loin, après temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité aux familles ou aux amis ou abonné à Info 5 puis capable toujours être connecté à bon information. Jeudi à c'est jeudi 13 avril 2023. Eh bien, mesdames et messieurs, actuellement là, nous vivons dans un gouvernement qui incommode. Un gouvernement côté prêtre, côté chimère, côté médecin, côté bandit légal, côté musicien, à technicien agricole passé. Sans nous pas oublier, un gouvernement côté tafiate passé. Jusqu'à présent, pays d'Haïti lui-même, il a fait face ensemble avec une situation qui est vraiment compliquée. Depuis après départ, Jean-Claude Duvalier sous pouvoir, côté dictature est arrivé Kaba, nous embrasser une démocratie sans ne pas connaître que le marché, ensemble avec tout piquant qui donc il a piqué nous. Je ne dis à la, n'a payé yon bagay que nous pas même comprendre, mais nous t'es choisi en bas nous, dans yon aventure ensemble avec lui, sans nous pas connaître est-ce que le résultat, dit après le bail là, c'est un résultat qui est positif, ou du moins yon résultat qui est négatif. Pendant toute l'année ça, que nous faisons ensemble avec démocratie, qui ça bail exactement comme résultat positif en un pays d'Haïti? Qui ça, la liberté du peuple remet pays d'Haïti. Qui ça, question du le pouvoir pour le peuple et par le peuple, qui ça l'utile pays a parce que non seulement pas de pouvoir pour peuple et pas de pouvoir par peuple, parce que le plus souvent, nous choisissons voter plus dans l'élection, et bien c'est eux-mêmes qui ne pas jamais passer. Moun sa yo pa jam assiste tirage, soit attende élection truquée, soit attende gon lop bagay ki fait l'argent payé, tout bagay passe en brigandaille. Donc, je ne jodi question, pouvoir pour peuple avec pouvoir par peuple là, et mais il pas existé en da pays d'Haïti, nan soi-disant démocratie sa, que m'tende ya van nouan, depuis plus passé 37 l'année. Donc là, le regarde sa qui a passé actuellement en Haïti, m'garantis nous c'est un bagay qui grave. L'homme dit nous c'est un bagay qui grave, connaissez un bagay qui grave, tout bon vrai. Et mais mesdames et messieurs, dans le moment où on a parlé à la, j'en te wel déjà dans la vidéo qui sorti matin. Antonio Cherami Anik tande pral gen élection, li commence sorti tête li. Et mais André Michel a parlé de conseil électoral provisoire pour gouvernement Ariel Henry
prend responsabilité pendant que li a ajouté représentant diaspora yo afin pour être capable participer dans construction pays d'Haïti. Mais gentil parole l'a dit mesdames et messieurs, ba oublié a toujours gagné mac qui pour faire songer. Ensemble, nous prenons un petit rappel de quelques déclarations Maître André Michel sur ça qui a eu ensemble avec pouvoir président Jovenel Moïse là. Et nous pas oublier Mirlande Maniga qui fait partie de conseil transition en tant que présidente, c'est André Michel qui t'a occupé de campagne. Ensemble, en prenant nous tendez qui côté André Michel sorti avec Jovenel Moïse et qui côté lui devrait aller ensemble avec président. Entendez ensemble avec. Droit jusqu'à 2004 derrière cette vallée. Jusqu'à 2004. Bon, en tant que militant. Vous devez m'expliquer, bien sûr. En tant que militant kid. C'est ça, le parti, la notion de parti, c'est ça. Puisque parti a non combat politique, le parti Convention Unité Démocratique, parti a non, non combat politique, l'impatia, c'était combattre le gouvernement qui était en place, tout militant patia, et ranger au dans le cadre de ligne de combat patia. C'est la règle, c'est le principe. André Michel, goumé sous Aristide. Gouvernement Aristide, là, pas de bon. André Michel goumé sous Préval. Préval pas bal. En fait, Préval pas pété dans un coton, by André Michel senti. André Michel goumé contre Michel Joseph Martelly. Martelly était plus ou moins abgardé sous qui ligne André Michel lui-même, il était décidé aller. Jusqu'à ce que yo arrêté André Michel sous Martissant. Mesdames et messieurs, qui cause Zéwin pas contre sous André Michel? Je ne sais pas si découvre qui est ce qui vrai André Michel là. Je garantis nous, toute année ça yon nous fait, n'a campé de yon barricade nous parce que André Michel te mande nous lire. En vérité, nous prenons devant quand André. En vérité, nous prenons devant quand André Michel. Avec bâton, manchette, couline, nomme nous. Pour nous capables de demander André Michel, remettre nous toute quantité d'années, lui fait nous perdre dans la manifestation. Et mais André Michel fait tout le temps, mesdames et messieurs, après que lui finisse divers échecs, dans ce qui est à la politique dans le pays d'Haïti, pour lui capable de combattre tout gouvernement qui mettait sous pied, qui pas allé dans la direction que le secteur démocratique et populaire te venait là. L'aime dit nous la vie jeune en Haïti pas facile. La vie jeune en Haïti pas facile. C'est pas journée jodi à là que André Michel lui-même lui rentré dans combat. C'était juste je rappelle. C'est une belle question. Écoutez moi mes jamier, à la vérité, je suis un homme consistant. Et c'est ce qui fait ma force, ça fait ma faiblesse aussi et c'est la règle. Tout ça qui fait force ou le fait faiblesse. Je suis consistant. Ça veut dire moi fais partie d'une série de groupes. Moi prends position groupe yo. Okay. Et en 2001-2002, moi fais partie des KID, c'est le premier parti politique que moi fréquenté. Parti a été en ligne de combat, un jeune petit garçon, etc. J'ai endossé la ligne de combat de mon parti. Même si après nous avons eu divergence, etc. D'autant plus que Gendoua Cité Kounia n'a pas fait le même choix, ça. C'est une autre histoire. Oui. Mais il est clair que moi toujours j'ai des lignes de combat très claires. Moi, j'aime faire politique, je vais voir caché. Mais Mathieu Lévin, président, moi j'ai supporté Mirlande Hippolyte Maniga comme candidate à la présidence. Mm-hmm. J'avais fait la campagne de Mme Maniga. J'ai été porte-parole de Mme Maniga. Mathieu Lévin, président, j'ai combattu Martelly jusqu'à la fin. Et qu'on s'est mis. Dans l'élection, nous perdons l'élection. Hein? Mais c'est comme ça, et sa politique là. Mm-hmm. J'ai été candidat au Sénat tout récemment, j'ai été battu, j'assume ma défaite, Jovenel vient président, je suis contre et m'a combattu là. Moi, pour moi, c'est comme ça politique. Mais pour ça, faut combattre là, c'est toujours faut l'aller. Non, non, attendez, attention. C'est choix nèg yo faire. Mais faut l'aller, c'est pas nécessairement une obsession qu'on gagne l'on fait politique. Mais là, par exemple, on fait politique avec un nèg ou non combat politique ou en face. Conseil de principe, à partir du moment où le pas respecté, pour obliger, parce qu'à chaque moment, franchi, on étape dans le combat. Dans un premier temps, mon ne pas dit, Jovenel Moïse, faut que l'aller, le fait monter. Il y a un monde qui dit, on bat le temps, on voit qui ça l'a fait, on garde intention, on garde est-ce qu'il y a des projets très clairs. Mais après avoir constaté
que Jovenel Moïse n'a pas aucun projet pour le pays. Et là, toute population qu'on y a vient constater que le dossier le plus important aujourd'hui en Haïti, c'est le dossier Petro-Caribé. Jovenel Moïse, c'est le principal obstacle à l'aboutissement du dossier Petro-Caribé. Et à partir de ce moment, tout le monde a dit faut que l'aller. Et la démonstration était très claire le 17 octobre 2018. À Port-au-Prince, comme dans les villes de province, les journalistes le rapportent, eh bien, il y avait deux slogans. Démission Jovenel Moïse, procès Petro-Caribé. Moi-même, c'est comme ça que je fais politique. Je ne vais pas jouer Roche caché, même pas jouer 50 tableaux, moins en face. Et puis Jovenel Moïse, je ne vais pas jouer un balancement avec lui, un coup de fil, parce qu'il y a un moment de des consultations d'affaires, des mondes de partis politiques là. Je veux que je me dise ça. Je vais dans la politique. Moi, j'ai un tempérament qu'on genre difficile. J'ai l'impression depuis nèg la connais m'en face li m'a combattre li depuis m'ai tant dit non li pas même relé même li fait moun hein s'il relé ou pas courir dit ça dans la non et pas ça yo connais m'pas bouger c'est mon style c'est mon tempérament m'pas jouer sur deux tableaux mon seul jouette m'perdu m'gagné c'est mon tempérament c'est mon style je suis un homme consistant en politique. Jovenel pas jamais essayer relim. Il fait moun relim, bral di oui. Il fait moun relim. Il gagne moun li fait parler avec moi. Mais il pas jamais relim lui même. Matéli te kon fait moun relim tout. Mais personnellement pas jamais relim. Parce que t'a bonne réponse là. C'est dit le bral di pour entrer dans gouvernement. La réponse c'est non. C'est dit le bral di pour me venir collaborer avec lui. La réponse c'est non. Mais sous privé ou te prend petit pause. Privé monter. Ou te cas ami avec privé. Non, c'est clair, privé monter président dans contexte de monter président. D'ailleurs, c'est bataille nous qui t'empêche l'élection en fait, dans la condition de la fête là, qui vient mettre privé à président. Oui. Et privé vient président, et moi pas en face privé comme président de la République, même si je n'ai pas aucune responsabilité, je n'ai pas exercé sous privé. Pas de job. Je pas conseiller privé, je pas travailler dans le palais. Bon, je dois conseiller tout le bon problème. Je ne pas travailler avec lui. Mais la vérité, oui, c'est que privé président de la République, André Michel, n'avait aucune responsabilité. Personnellement. Mais indirectement, tu as le monde dans l'entourage. Même indirectement, okay. Je n'avais aucune responsabilité. Et c'est ça que fait Jodia, ma menon pour ces Petro-Caribé, je suis privé impliqué dans le dossier Petro-Caribé. On vient sur l'actualité. C'est une question de principe. Pendant que nous regardons l'image de la Saline, nous supposons que nous avons l'image de tout. Quelle information nous avons de ce qui a passé à la Saline? Et information nous-mêmes nous avons au niveau du secteur démocratique et populaire que nous compilons, nous avons une répression qui a fait dans la Saline et dans d'autres quartiers populaires. Avec un seul objectif, casser la mobilisation populaire en cours dans le pays pour arriver à l'organisation du procès Petro-Caribé. Casser cette mobilisation au cours de laquelle les gens exigent également la démission de Jovenel Moïse comme président de la République. Pour nous, c'est ça l'objectif là. C'est pas, casser c'est mobilisation. C'est pas affrontement en gang, j'ai une information de ce comment ça. Écoutez, par exemple, on est qui gang, il y aurait les bouts de Jean-Jean. Oui. Mais bout de Jean-Jean, avec qui est-ce lié? Moi, toute photo qu'on y a circulé sur Facebook. Bout de Jean-Jean, c'était bon ami, Martine Moïse, la femme du président de la République. Yo dim, l'endal bay conférence de presse récemment dans la Saline, c'est bout de Jean-Jean, il te recevoir nous. Non, mais attendez, attention. Ouais. Le secteur démocratique et populaire, les gon capacité de pénétration populaire indiscutable. Même si on zone gen toute qualité monde, même si zone gen monde qui gen zam, pas gen yon zone secteur démocratique pour lui pas rentrer. À un point tel, les bout de Jean-Jean blessé semaine passée. Ça veut dire qui ça? Dans quel que soit quartier populaire, même si gen nèg avec zam, nèg cap tiré, secteur démocratique et populaire toujours capable de rentrer parce que nous gagnons une capacité de pénétration. Et c'est justement parce que nous allons faire conférence la Saline, qui fait automatiquement, même pouvoir venir considérer Bout de Jean-Jean comme un adversaire, comme un ennemi, alors que Bout de Jean-Jean, c'est bon sang et Martine Moïse. Et c'est ça qui fait toute répression qu'a fait dans le quartier populaire la Saline. Qui est-ce que vous avez Martine Moïse? Bout de Jean-Jean? Relation. Et je ne parle pas tout de détails, mais vous dites que Bout de Jean-Jean ont gant, vous connaissez Martine Moïse, Mambo, vous avez des relations, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas, puisque moi, je fais de la politique. Mais. Et ce qu'on fait là, il a cité nos premières dames. Et politique, on fait là, il a cité nos premières dames. Oui, non, mais comme ça, ça fait personnel, bagaille, un gant, Mambo, ça n'a pas trop intéressé. Mais, vous avez bons amis, et
les images sont là. Ou pas besoin de prendre une photo PAM, côté où on a une réunion ensemble avec Boudjanja, parce que je ne pas reconnaître Boudjanja. Maintenant, Benameuse. Mm-hmm. Benameuse, c'est l'hôpital qui soigne. Mettez-le dans le contexte. Boudjanja blessé la Saline, dans l'affrontement, ça c'est version la police. Dans l'affrontement, le dégain avec un certain l'autre gang, l'autre chef de gang qui est le Kiki. Kiki mourit, Kiki prend balle, Boudjanja blessé dans le coup, il court avec lui, Benameuse dans l'hôpital. Là. Mm-hmm. Et c'est là ça, nous parlons ou même d'autres responsables politiques avec d'autres personnes qui ont organisé le cap de défendre Mounio, allaient être venus dans l'hôpital là pour nous empêcher la police de prendre contrôle de Boudjanja. Jamais. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quoi? L'hôpital Benameuse, c'est là où ils ont soigné tout le monde qui prend balle dans la manifestation du 17 octobre. Okay. Et c'est le secteur démocratique et populaire qui te prend responsabilité ça. Nous on te dit tout le monde qui blessé avec balle n'a assuré nous que monde ça reprend soin. C'est une question de responsabilité. Sou c'est leader politique ou bien organisation politique. Ou mandé monde prend la rue. Yo vinn dans manifestation, yo arrêté monde nan faut ballon avocat qui pour la gueule. Si gen monde qui mouri, même j'en noté fait le 31 octobre 2018 dans Bel Air, faut qu'on fait funérailles yo et nous fait toute funérailles yo. Tout le monde qui blessé dans tout pays nous prend en charge. Il y a des gens qui sont au Cap, qui prennent soin de Benameuse, des gens qui sont au Saint-Marc, des gens qui sont au Tigouave, et des gens qui prennent balle de tous côtés. Et je voulais remercier le médecin de l'hôpital Benameuse. Il y a des gens qui prennent balle dans le cou, des gens qui sont paralysés, des gens qui prennent balle dans le pénis, garçon, des gens qui prennent balle dans le rein. Tout le monde a soigné Benameuse. Et c'est le secteur démocratique là qui te prend responsabilité. Le bout de gens qui arrivent à Benameuse, tu as une situation de répression, Raram t'es sorti, Chabat t'es sorti, ou t'es tiré là-dedans, il y a des gens qui prennent balle. Là, par exemple, je parle avec le responsable de l'hôpital Benameuse, les frères Bita, ils disent que la situation qui a développé, la police envahit l'hôpital Benameuse. Mm-hmm. Un bal temps, un oua qui ça l'a fait. Ah, André Michel. Jovenel Moïse crache le pot comme même fin sèche en d'un palais national. Nous voup, nous devons camper. Jovenel Moïse son bluffé. Jovenel Moïse pas jamais planté banane. Jovenel Moïse pas gué compte en banque. Jovenel Moïse pas qu'à diriger pays. Jovenel Moïse t'es ceci. Jovenel Moïse t'es cela. Nous pas même ben néglatant pour commencer travail que l'ité promette dans campagne. Donc ce combat que nous t'as mené, un combat que nous t'es vraiment consistant la donne. Donc en 2018, mesdames et messieurs, Jovenel Moïse pral gagner yon l'année sous pouvoir. Bon dieu, monsieur. Ou sorti dans dictature avec Duvalier. Donc sous Duvalier, gagne yon Jean Bagayoko yon te ye. Le Aristide prend pouvoir. On dit sorti dans Duvalier pour Yves Aristide, nous connaît divers types président provisoire. Ok. Aristide essayait lui-même pour voir qui Jean était capable de ranger le système dictatia. Là, c'est un point. Préval vini, il essayait de faire une façon. Martelly vini, il essayait de créer moyen pâle. Mais Jovenel Moïse vini, il jouait un système nan avec toute faille qui existait. Des séries failles, c'est pas un nick de trois pelletés ou prend ou la gué en d'ailleurs et puis pour yon boucher. Des séries failles, mesdames et messieurs, qui étaient capables de provoquer des potes tsunami. Donc, pour dire au président qui a une année sous pouvoir, ou de qui était campé pour combattre l'idéologie ou pas l'idéologie, non. Oui, il y a quelques bagages, Jovenel Moïse, qui est capable de manger dans l'administration publique. Il y a quelques bagages, Jovenel Moïse, qui est capable de manger dans le ministère afin pour être capable de gérer la situation. Il y a des séries de dérives qui sont faites dans le ministère. Et Jovenel Moïse est capable de commencer à gérer ça. Mais pour dire comme ça, pour Jovenel Moïse, après un enlevé, agriculture a retourné. Ça veut dire nous avons production nationale. Nous n'avons pas besoin de plaider à importer manger tout. Pour nous dire, pour Jovenel Moïse, c'est que tu as stabilisé le dollar américain. Pour Jovenel Moïse, c'est que tu as mis manger dans la place tout le monde. Pour 15 000 écoles, c'est que tu as construit. Mes amis, avec qui courage exactement, nous sommes capables de demander Jovenel Moïse pour te faire ça après seulement quelques jours ou du moins une année. Nous pas le président temps pour respirer, pour réfléchir avec qui ça a gagné pour le faire pour payer ya. Moi me rappelais mesdames et messieurs qui j'ai honte qu'on a secoué Jovenel Moïse. Est-ce que nous j'entendais opposition soit comme Montana
SDP, Lavalas, ou tout ça qui est dans le OPL Fusion, est-ce que nous tendez que Mounsa yo parle de tremblement de terre 14 d'août 2021 qui secoue Grand Sud là, côté divers moun arrivé perdit la vie jusqu'à présent que les moun qui vivent dans la rue? Est-ce que nous jamais entendu parler de collecte de fonds de plus de 600 millions de dollars américains qui t'est fait pour capable créer abri permettre moun sa yo joindre la vie ou te gagne avant? Est-ce que nous entendu parler de sujet ça? N'importe côté entendu André Michel, Majorie Michel, Nenel Kassi, Anel Belizer, Magali Habitant, Evalia Beauplan et Edmond Supice Bozil, Wazmila Petit Frère, militant famille Lavalasio, militant SDP yo, militant OPL, RNDP, militant Fusion, militant parti Victoire, parti tout parti politique qui en dans pays ya. Si nous joignons yon côté moun sa yo parler de tremblement de terre 14 d'août 2021 voyez moi m'a tan chiffre là. Écris dans un commentaire oui, mon côté moi ça parler. Et puis indiquez mon côté ya pour mal vérifier. Yo collecte de plus de 600 millions de dollars américains. Deuxième sujet. Est-ce que nous jamais entendu parler de 3 millions de gouttes ça encore qui te décaissé dans Fayès pour capable aider moun qui sans abri, moun dans sud? Est-ce que nous entendu parler de ça? Dernière fois Fayès si même ni recevoir manger, il te fait une conférence de presse, m'pa même rappeler qu'il était hier. Alors que si moun ki nan abri provisoire nan kafou yo, sou kanpe la, wap kote skelet yo pi mal pase klis ki nan pano. Yo pa ka manje, rat dormi même kote ave yo, kochon dormi même kote ensemble avec yo. Donc c'est pas bagay ki rans du tout. Si nou kwa mse menti, ensemble an suiv video sa. Parce que c'est ça qui fait moi là, oui, comme machine en chair.
Bon, si je veux 25 000 gouttes, je vais aller. Je vais maintenant 31, 75, 24, 70. 31, 75, 24, 70. Le soir, le conseil, est-ce que nous pas ici, on est dans le domaine? Nous paie, parce que ça n'a pas fermé. Jean, elle a là, qu'on s'est dormi. Des fois, nous, on a dormi là. Bon, nous pas dormi, on a grandi ouvert, on a grandi fermé. Après, moi-même, t'es bien gros. Après, mes pièces, là, je suis allé pour eux. Mes pièces, moi, t'es bien gros. C'est le même problème, ça, qui était là. Dans l'Italie, là, c'est un problème. Si tu as un bon problème, là, mais, mes amis. Et pendant que monsieur vient pour Matissan, il descend là, il descend là. Des fois, pour me jouer médicament là, c'est le monde qui a entraîné dans la cour là, qui compte banon 50 gouttes et pas tout le temps où il y a un gros banon. Mais qu'est-ce que ça fait nous peur? Bon, ça fait nous peur. Ça veut dire, nous avons mon côté, pas une autorité qui a vu nous, pas un monde qui a contrôlé nous là, nous pour contre nous. On est obligé de peur parce que son espace, nous venons passer des temps, là, pas fermé, des fois même barrière, pas fermé devant. On a travaillé dans l'intervieweur et quand nous avons gardé, c'est deux fois que nous avons entré en contact avec vous pour vous aider à vous faire un numéro. Le numéro de téléphone, c'est 48 78 20 45. Ça veut dire que nous avons des 4-6 personnes qui sont là. Mettez chacun de côté. Moi-même, je suis allé chercher ça, je viens de passer par vous. Comment vivre dans ce clan-là? Nous dans ce clan-là, c'est pas un bon prochain. Si pour longer mes bonhommes, quand nous, tant ou même l'autre, on a l'activité, on a tout à fait, on a bagage. Mais depuis que nous rentrons là, moi, je suis malade, je ne suis pas à l'anger. Je connais à la main, je ne pas utiliser comment un même, je ne pas utiliser comment un, c'est le monde qui a pris mon service. Et là, je suis congé là. Bon prochain, bon petit manger pour manger. Je ne vais pas on est à moi, mais ça me besoin. C'est aller, et dans le pays, je me besoin d'aller. Je vois, je suis là. On est à moi, je suis un poche qui était comme cadeau. Un petit monnaie. Je suis payé un bâtiment pour ma lagame. Je suis au monde. Je suis venu chercher moi. Je ne vais pas jamais donner des nouvelles. S'il est là, s'il va là, pour moi. Moi, je suis là. On est à Timoné, un petit lagame. La prend coup. Et puis nous connaissons tout le bagage. Tout le bagage, tout le bagage. Tout est perdu, Matissan. On ne peut pas dire rien. Et là, je me suis acheté le rad. Je me suis acheté le rad pour mes soumets. Vous avez petit? Je suis petit. Nous qui côtoyons? Y a-t-il? Nous qui pouvons sourire. Vous côtoyons le corail. Je reconnais comme ça. Vous êtes courageux aujourd'hui? Oui. Qui joue le j'aimerais les moi-même. Ismen. Ismen qui ça? Josil. Vous t'as amené au Vindéo là? Parce qu'on parle ouais. On parle ouais. Non mais pour Vindéo, moi, pour ta, pour t'amener à la cama. Donc c'est dans le pays ça. Pour un monde à parler de élection, n'a keep going. Dis-moi, est-ce qu'on te déparle de l'argent Petro-Caribé? Il y a l'argent qui t'a remetti sous peuple haïtien, il n'y a pas au courant. Dis-moi qui compte attendre, remettre pour comme Petro-Caribé. Si pour une carte qui t'a enlevé toute journée, compte comme Petro-Caribé. Montre-moi l'argent Petro-Caribé. Si maillot toute journée qui écrit, compte l'argent Petro-Caribé, Jovenel, remettre comme Petro-Caribé. Est-ce que Kounia là, il remet nous l'argent par la veine? Est-ce que nous qui comme Petro-Caribé dans menou dans moment ça que nous a parlé là? Guion paquet requête nous te kon fait la justice. Justice pour mettre mon ferrier de val. Martin Moïse assassiné mettre mon ferrier de val. Jovenel Moïse touye mettre mon ferrier de val. Côte justice pour mettre mon ferrier de val. Hein? Oui. La Cour supérieure des comptes supposée prendre responsabilité. Gidez un rapport, il supposé bail. Rapport sur on a, rapport sur ceci, rapport sur ce. Margaret Fortuné. Sœur Gabrielle Fortuné. De feu Gabrielle qui mourit dans le tremblement de terre, 14 août 2021, au Caï, en bas hôtel Le Mangue. Parti ensemble avec divers milliers de dollars américains pour loterie nationale. Corruption. Il y aurait l'aile devant la Cour supérieure des comptes.
li pa vin répondre question les grand monde. Magali habitant sauvé avec 39 000 dollars américains pour SMGRS. Yo rele Magali habitant vin devant la Cour supérieure des comptes parce que femme fou rappel pour nous. Première fois Magali habitant pral faire audit sous gestion que te fait dans SMCRS qui était là. Et mes mesdames et messieurs, posez Magali habitant question, li pa konn réponse. Magali qui signification SMCRS. Magali dit pa konnen. Magali qui quantité de travail SMCRS fait? Magali gad administrateur. Magali habitant qui travaille SMCRS supposé fait? Li gad administrateur. Administrateur gadil. Yo moun ki ap travay nan SMCRS supposé ki formation en gestion. Gestion des affaires. Gestion n'est pas de gestion là de vous capable de gérer. Faut qu'on capable de gagner au moins une licence en ingénierie. Magali habitant pas de gagner une licence. Le opposé Magali habitant question. Magali habitant dit comme ça. Allemand des ministres de sous tutelle là. Comment on fait là? Dans la Cour supérieure des comptes. Magali habitant fera dire ça. Yo quitte le sauti. Après audit. Quand on fait une balle arrêt de débat, je crois. On arrête de débat comme ça, ou du moins, on l'a arrêt. Et même Magali habitant a gagné pour le bail 39 millions de dollars américains. Léo invite devant la Cour supérieure des comptes pour le bail contre l'argent passé. Parce que bon paquet de dépenses fictives qui étaient faites, pas jamais de preuves. Maril Arnel Belizer dit somme ou pape déplacé. Et pas de personne qui te fait Magali habitant déplacé. Donc oui, n'a parlé de organiser élection dans le pays ça. Quand tout ça n'a pas demandé, yo boko jamba nou youn. Or, André Michel te déclaré, c'est parce que en dans accord 21 septembre 2021, gagne tout complet peuple haïtien net. C'est ça que fait te choisi signer accord si là. Mais qui ça peuple a t'a demandé? Justice pour mon la Saline. Contre l'argent Petro-Caribé. Faut gen audit de compte qui fait. Pas gen youn nan sa yo que gouvernement Ariel Henry a travaillé sous lui. Au contraire, mesdames et messieurs, gouvernement Ariel Henry a s'est éliminé, la peut éliminer non dans système. Regardez là, nous t'ai écrit en jaune sous système non. Et pour checker nouveau directrice là ou bien nouvelle directrice non directrice ça va dans bagaille ça non comment elle est encore et c'est révoqué dernièrement oh Jemlé Jean-Baptiste c'est mission ça qu'elle t'a gagné dans tête Lona mission Jemlé Jean-Baptiste mesdames et messieurs c'est pour être capable éliminer des noms dans le système informatique de Lona moun qui prête 110 millions pour 100 ans. Ça qui prend de 400 millions pour 1000 ans, et me faut le retirer dans le monde, ça yo. Ouais, Yuri la tante te déclaré. Peuple haïtien, nous va de l'ona encore. Ou va de l'ona, qui l'a payé l'ona? Bay reçu ou paye l'ona? Bay compte en banque ou dépose comme l'ona? Bay preuve que ferme la tante yo, li pa doué l'ona encore. Jusqu'à présent, pas de personne qui jamais dit rien. Eh bien, maintenant, qui paye, normalement, là, n'a pas parlé de organiser élection, n'a pas parlé de mettre sous pied conseil électoral provisoire. Même André Michel, ça, pays n'a pas de toute sécurité, ça. Oui, il y a des cas de kidnapping. Mais j'ai assassiné moun tout jouné là. J'ai appris moun palo, papa ket, en dans l'école, en dans l'église. Mes amis, sois honnête envers nous-mêmes. Parce que normalement là, pour André Michel a parlé de élection avec Ariel Henry. Qui poule qui couvait Ariel Henry? Qui poule qui te pône Ariel Henry? Li parle que poule PHTK. Avant parler, PHTK qui crase pays, PHTK qui gangsterise pays, et puis vous pouvez organiser élection avec PHTK. Non, Jovenel Moïse il était trop honnête pour nous. Jovenel Moïse il était trop droite pour nous. Me senti ça.
Jovenel Moïse, qui est sur route couche, il pas accepté faire ensemble avec nous. C'est ça qui la cause, yo assassiné. Et c'est ça qui la cause tout. Je dis à la, peuple haïtien a boué l'huile. Non, Jovenel Moïse, là, il est un autre monde. Non, sincèrement, parce que Jovenel Moïse, t'es un autre monde. Et mais, mesdames et messieurs, André Michel m'a dit pour diaspora capable de participer normalement dans l'élection en dans pays d'Haïti afin puis capable de participer dans la construction pays d'Haïti. Donc, faut que pays lui-même li construit avec diaspora yo correctement. Et j'aime te dire nous là, diaspora yo campé nan mitan désormais, yo pa nan pouvoir, yo pa nan opposition, yo seulement ap chercher côté intérêt pa yo avec intérêt peuple haïtien lui-même lié. J'aime te annoncer nous déjà, mesdames et messieurs, Luis Abinadel discutait ensemble avec secrétaire d'État pays États-Unis, secrétaire adjoint Wendy Sherman, elle encore plaidé pour une intervention militaire qui capable gérer situation pays d'Haïti. Et n'a connait que République Dominicaine c'est pas seul pays qui campait en faveur d'intervention militaire ça. Les États-Unis campaient en faveur, Mexique campaient en faveur, le Brésil campaient en faveur. Pays nous capable dit qui campaient en face intervention militaire ça, dit pas l'autre que la Russie ensemble avec la Chine et bien d'ici là tout l'autre pays yo accepté faut gagner une intervention militaire en Haïti pour capable gérer situation. Donc là nous ouais. Nous voyons que pays ça, son pays est chargé. Madame n'a pas dit en Haïti, non? Haïti qui a trop de sécurité pour lui, il a mouru. T'as l'entendu au kidnapping? T'as l'entendu au kidnapping? Il n'a pas vu au kidnapping. Là, c'est Domingue. Il vient parler de Haïti en République Dominicaine. Donc, encore une fois, yo mandé yon intervention militaire. Pidemo, mesdames et messieurs, nous gagnons l'armée dominicaine qui renforce présence li sous frontière nord pays d'Haïti. Selon ejercicio RD, 120 soldats supplémentaires ensemble avec 2 hélicoptères gétant disponibles pour capable combattre trafic drogue ensemble avec immigration illégale qui affecte non nord frontière qui relie pays d'Haïti ensemble avec République Dominicaine. Pendant que République Dominicaine a déployé soldats pour capable gérer yonti situation qui gagne sous frontière, et mais en Haïti, policiers nous même, y a fait show off, policiers nous y a mouri en babal, et ça qui décide de travailler, yon pas bayo matériel correctement. Et mais puis devant, nous gagnons tout, yon rencontre qui fait entre DGPNH là, ensemble avec ambassadeur pays Taïwan en Haïti, Wen John Koo, côté yote parlé de renforcement de la police nationale d'Haïti à la capacité, ensemble avec formation continue, pays Taïwan a gagné pour faire pour pays d'Haïti à travers la police nationale. Qui donc, Franz Elberg a rencontré divers moun qui d'accord participer ensemble avec yon, soit bayo yon formation a fait pour capable gérer situation et sécurité que pays d'Haïti a fait face ensemble avec l'IA. Bagayo compliqué en da pays ya, puisque chaque jour ou tande, nous kote cadavre nan ran nou kote la mort policier nan ran nou, et zak kidnapping, c'est pas parlé. Mesdames et messieurs, et mais je jodi à la, nous pral recevoir ensemble économiste qui pral discuter ensemble avec nous autour de taux de change. Désormais, dans la banque centrale, taux de change, c'est 154 goudes. Donc ça veut dire, si en dans la banque centrale, taux de change 154 goudes, imaginez dans la rue qui quantité l'argent ou a gagné pour payer pour capable jouer un dollar américain. L'idée qui t'a dépassé 160 gouttes, et m'te dit nous ça. Si nous pas font j'en, bat j'ai fait mes j'ai l'argent ça a coûté 200 gouttes, dans yon pays kote gen rareté gaz, dans yon pays kote gen rareté de nourriture. Si pas gen gaz, ou pas ka fonctionner. Si pas gen électricité, ou pas ka fonctionner. Et si pas gen l'argent, ou pas ka fonctionner. Pirède. Ensemble, mesdames et messieurs, nous pral lancer pour nous capables de connaître exactement qui ça qui ont taux de change, comment taux de change lui-même lui fonctionner. Bonjour tout le monde, moi c'est Gusti Jean-Charles. Maintenant, moi là pour moi parler du taux de change. Taux de change, par définition, c'est prix de monnaie par rapport à une autre monnaie.
dans cas haïtien on capable de si prix goudlan par rapport à dollar donc aujourd'hui nous besoin 154.01 goud pour un dollar selon taux BRH. Yo déterminer taux d'échange là selon plusieurs régimes qui nous capable résumer en deux régimes fondamentaux qui c'est régime d'échange flottant et régime d'échange fixe. Régime d'échange fixe lui-même est fixé par banque centrale du pays. Okay. Tandis que régime d'échange flottant est déterminé par confrontation offre à demande dans ce marché. Et c'est régime d'échange ça que Haïti lui-même est utilisé. Qui conséquence taux d'échange là capable de gagner sur l'économie? Conséquence pas neutre. Par exemple, un taux d'échange capable de facteur d'inflation. Okay. Parce que si pas gagner assez production nationale pour éviter des importations, si vous gagnez un monnaie qui a déprécié, tant que la caille nous la goutte qui a déprécié, et nous pas gagner assez production nationale pour nous éviter importation, yo, ça capable de facteur d'inflation pour nous, ça qui vient faire une augmentation prix bien et services sur marché, hein, surtout bien avec produits que nous importons. Il y a un impact sur le pouvoir d'achat parce que augmentation prix et services sur le marché qui vient provoquer inflation diminue le pouvoir d'achat ménager. C'est-à-dire diminuer la quantité de biens et services que ménager sont capables de procurer avec la quantité de corps qu'on achète même bien et services dans le temps. Un prix qui rapporté avec le coût de vente et un prix qui rapporté avec le coût d'achat. C'est qu'on soit capable de monter sur le site d'une banque pour regarder à qui taux il vend ou bien acheter dollars ou après lui proposer deux prix. Un prix de vente et un prix d'achat. Qui sont capables de faire pour identifier ça qui prix de vente, ça qui prix d'achat. Généralement, prix de vente là inférieur avec prix d'achat. Ah, okay. Pour ne pas dire taux de vente là toujours inférieur avec prix d'achat. Donc, taux prix de vente là inférieur avec prix d'achat. Prix de vente inférieur à prix d'achat. Donc ça veut dire Jean vend nous l'argent, il supposé puis bas passer l'eau acheter là. Donc c'est ça que fait en Haïti quand bisio a pété cou nous comme ça. Oh, vous comprenez? C'est astuce qui est plus efficace que vous capable utiliser pour identifier prix de vente avec prix d'achat taux d'échange là pour une banque donnée. L'autre ça qui est important encore, l'autre thème qui est important que je juge nécessaire pour nous capable connaître de la parler de taux d'échange, c'est cotation qui est utilisée dans le pays. Okay. Il y a deux cotations. Il y a une cotation à l'incertain, une cotation au certain. Cotation à l'incertain lui-même nous dit c'est nombre unité monnaie locale là pour une unité monnaie étrangère là. Ça veut dire, dans le cas de nous, c'est le nombre de gouttes nous besoin pour un grain de dollar. Ça veut dire, dans la situation haïtienne, nous utilisons une cotation à l'incertain parce que nous toujours dit, tant qu'aujourd'hui, si nous avons parlé, si nous avons présenté tout d'échange. Un dernier aspect que nous sommes capables de voir, c'est norme qui kembe pour l'air ou après écrit tout de référence là. Je dis, hein, vous êtes capable de monter sur le site BRH là. Ou regarder qui tout référence je dis, hein, ou après l'ibao 154.0109 gold pour un dollar. Ça qui veut dire, les kembe 4 chiffres après la virgule. Donc, ou même si yo mande taux de référence là ou bien écrit taux de référence là ou envie écrire selon la norme faut toujours écrire 4 chiffres après. Merci, merci beaucoup. Donc taux de change là lui-même li gen ensemble avec quantité l'argent que ou a produit sous territoire national là j'en nous sautande là. Donc gen une cotation nationale en fait une cotation. Donc, normalement, mesdames et messieurs,
en Haïti, gouttes lui-même il continue à déprécier, ça qui veut dire dollar lui-même il continue à marcher sous fiel gouttes. Donc normalement, merci Gusti d'est-ce que vous avez participé ensemble avec nous et m'espérer que nous apprenons à propos de taux de change qui vraiment important parce que mon nous dit ouais mal là taux a différent mal là les différents mais qui ça qui permet que toi lui-même lui a géré comme ça. D'ailleurs en Haïti, bagaille nous connaît yo différent. Et pas ça en Haïti non. En République Dominicaine, ou bien dans notre pays ou aller, ou bien nous à la toa, on prie, et puis là, il y a un petit genre tout petit, quelques centimes, mais en Haïti, bagayo, vin pi compliqué. Ça ne brèle tout de là, mesdames et messieurs. Li pa passé États-Unis. Li pa passé la France. Li pa passé Canada, mais elle passé en Haïti. Yo madame qui débarque là, elle fait passeport. Yo prend 22 000 $ dans mail. Le ou fin pre la jeune mail, yo mande pou yo capable faire sexe ensemble avec lui afin pou yo capable bal passeport. A. $22 000 haïtiens pour yo passeport en plus fa kou descend culotte tout. Nous pral tan de cause a kounya la. Gondame, yon agence prend $12 000 nan mail. Gon l'autre moun encore prend $10 000 nan mail, li pote plainte. Li sorti la Gonave. Li vin la. Li dit que yo mande le femme. Yo mande le femme pour faire passeport. Pas besoin de dire qui moun qui mande le femme non, mais li dit mais qui catégorie moun qui mande le femme pour le mettre là-dedans. En tant que délégué départemental, depuis bien un problème dans quelque soit institution dans le département, je suppose là. On nous dit que surtout immigration parce que immigration li sous il dépend du ministère de l'Intérieur. En conséquence depuis immigration un problème. Moi, je suis posé là parce que c'est moi qui représente l'intérieur dans le département. Maintenant, et nous connaissons hier, et moi, j'ai reçu un message, il y a un mandat qui est décerné derrière une série d'employés là. Ça te permet que la boîte là, elle ferme depuis après-midi, et la boîte là, elle n'est pas ouverte. Je ne vous dis pas. Tout à l'heure, j'ai amené dans le bureau de la délégation, j'ai reçu un appel, côté que le team, il a fermé le directeur ensemble avec le commissaire. Qui en dedans, moi obligé rapide, moi venir pour me venir regarder qui ça qui gagne. Parce que c'est moi qui est responsable sécurité, vie avec bien dans le département. Bon, on nous dit que et devoir pas maintenant, c'est un devoir au plus haut niveau que lié avec un premier ministre non, et en même temps c'est lui-même qui est ministre de l'Intérieur. Moi, je vais me faire rapport à lui en tant que premier ministre qui est ministre de l'Intérieur. Et puis après, ça reste suivi, on va dépendre de bureau, parce que il y a des bagages qui ne dépendent pas de moi. Parce que moi-même, moi toujours dit, je vais remplacer que son monde dans la fonction, parce que la mission, c'est assurer le contrôle de l'institution. Et dit que il y a des bagages qui dépendent du directeur, c'est lui-même qui peut faire suivi. Qui rapport vous joindre, Léo dit, ou l'autre dit que vous mettez le mandat des employés dedans? Bon, vous mettez le mandat des employés. Depuis qu'il y a une clameur publique, depuis le peuple a plaint, il dit que les choses ont mal passé. Maintenant, il dit devoir au commissaire gouvernement pour le mettre action publique en mouvement contre nous. Non. Maintenant qu'on y a là, c'est la loi qui peut dire est-ce que le mandat est mettre des correct avec s'il pas correct. Maintenant, c'est la loi qui peut agir. Moi-même, je vais spéculer sur le mandat que le commissaire gouvernement mette des employés. Maintenant, parce que grand bagaille qui est l'enquête, maintenant c'est enquête qui vous faites pour est-ce que l'employé a participé dans cette malversation, est-ce qu'il a pris un cop dans mes mounes, qui ça a fait qui n'est pas bon, maintenant, et que la loi a pris une décision qu'il faut. Le problème d'immigration en Haïti, ce n'est pas seulement dans Miragouane lié, c'est dans tout pays allié. C'est tout pays qui a confronté le même problème, non, parce qu'en Haïti, nous n'avons pas jamais préparé pour ce genre d'événements. C'est toujours à la dernière minute, Haïtien besoin de faire carte électorale. C'est toujours à la dernière minute, il besoin de faire et passeport. Nous pas jamais préparé. Maintenant, automatiquement, nous pas jamais préparé. Nous toujours connaissons, nous pouvons faire face à ce genre de problème. Ça y est. Et problème, non, nous connaissons toujours difficile pour que nous résoudre. Nous n'avons pas besoin de bailler tête nos problèmes pour ça qui a passé là. Est-ce qu'il y a une immigration avec deux grandes de machines qui a fait 5000 passeports dans un jour? Il n'est pas capable. Ça veut dire qu'il faut nous conscients. Et c'est ça que fait l'homme là, je demande discipline. Moi, je demande discipline, au moins, si c'est 150 passeports qu'a fait dans le jour, pour nous faciliter 100 personnes, je ne chance. Mais là, on a fait bourrara, on a bataille, on a boumé.
avec qui facilité que nous prenions un passeport. Alors que deux green machines, les cafés au minimum 120 à 150. Lors du moment, on nous mettait discipline. Au moins, on a sauvé. Ça a sauvé. Mais yo même, yo pensais que tout le monde a sauvé un seul coup. Tout le monde a sauvé un seul coup. C'est un green, deux green qui est capable. Maintenant, nous voulons un passeport. Nous cabaillons 150 passeports par jour. On nous mettait discipline. Et puis, nous avons 150 passeports. Si je dis, ou pas passer parmi les 150 là, eh bien, demain, si je vois passer. Alors, petit pays, ça, papa, c'est Haïti. Est-ce que vous entendez qui je bagaille yo déroulé dans le pays? Question passeport, li vin pi compliqué chaque jour. Agence de voyage a plaigné. Yo pas capable déposer passeport pour moun yo correctement, yo pas capable signer passeport pour moun yo et notamment site qui en ligne nan li même, li gagne quelques petites défections pâle. C'est là mettez bout temps rubrique pour aujourd'hui. Nous vous rendez-vous pour prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Y'a fait til, et y'a prend pour imbécile. Garde ton pote.